Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes tous et toutes en forme et que vous allez vraiment très très bien en ce jeudi 6 juin. Nous sommes jeudi, c'est donc le jour du sketch. Et alors, nous allons faire un sketch, hein. Il m'en reste encore de Catherine. Et alors, j'ai préparé quelques trucs de cadeaux que vous m'avez offerts. C'est pour utiliser ce que vous m'offrez, comme d'habitude, je vais vous le montrer. Je l'ai mis comme d'habitude sur la communauté. Sur la communauté et puis voilà hein, et fait qui fait le vœu qui est le sketch. Alors j'ai tout préparé, enfin, j'ai préparé donc oui j'ai préparé quelques trucs, j'avais une idée comme ça parce que pourquoi? Parce que j'ai rendez-vous chez le vétérinaire avec mon petit loulou et donc du coup aujourd'hui il n'y aura qu'une vidéo. Ça vous suffira, ben ça vous suffira largement, puis étant donné que j'en ai fait beaucoup, lundi, mardi, mercredi, voilà, j'en ai fait beaucoup, donc, hein, ouais, ça suffira. Donc je vais faire ça rapidement, rapidement, et que ça saute. Alors, donc aujourd'hui c'est donc le 6 juin, et c'est l'anniversaire de Claude, et Claude au féminin, hein, Claude, HHH 152. Donc, on lui fait tout plein de gros bisous et on lui souhaite un très très joyeux anniversaire, aujourd'hui, donc, le 6. Vous voulez que je vous penche? Attention, attention, attention. Hein, c'est ça. Alors, avant de sortir, une femme prévient son mari. J'ai préparé ton repas. Tu n'as qu'à le sortir du réfrigérateur et le mettre au four quelques minutes. Oh, je suis trop exténuée pour faire la cuisine. Je pense que je vais plutôt me faire livrer quelque chose. Vous avez compris, quoi. Enfin bref, c'est vraiment grave. J'espère qu'il n'y en a plus des comme ça, que ça n'existe plus des phénomènes pareils. Je sais pas. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Moi, je plains les femmes qui ont des bonhommes comme ça. Je les plains, si je les plains. Mais elles ne se rendent pas compte. Elles se rendent pas compte. Celles qui ont un mari comme ça, elles ne se rendent pas compte parce qu'elles n'ont jamais eu un qui était bien. Donc du coup, elles pensent qu'il est bien. Parce qu'il est bien. Ouais, elles font avec parce que de toute façon, comme ils sont tous pareils. Mais non, ils ne sont pas tous pareils. Il y en a des formidables. Formidables. Formidable, ils étaient formidables, ils étaient formidables, vous avez compris. Enfin, aujourd'hui c'est la Saint Norbert, tiens, en plus, Norbert le Landais, Norbert le cuisinier aussi, hein, Norbert, on en connaît plein des Norbert, hein, des bons et des mauvais, hein, c'est ça. Alors bonne fête à tous les Norbert et les Norbertes. Je voudrais pas m'appeler Norbert, bon, on s'appelle comme on peut, hein, c'est pas de notre faute, hein. Bah non, c'est pas notre faute, vous croyez que c'est bien, Angélique, Marquise des Anges. J'ai entendu ça tout le monde. Quand j'étais jeune et jolie, Quand j'étais jeune et jolie, on me disait Angélique, Marquise des Anges, t'as des yeux d'ange, t'es belle, des machins. Maintenant, on me dit plus jamais ça, hein, je vous le dis. Je crois que c'est depuis que j'ai des lunettes. Depuis que j'ai des lunettes, alors là ça m'a. C'est terminé, terminé. On s'en fout, de toute façon, franchement, on s'en fout. Alors, donc, je vais. On y va. C'est parti, ça suffit de dire des bêtises. J'ai pas beaucoup de temps, non, j'ai pas beaucoup de temps. On va faire celui-là. Je l'ai pioché, pioche, pioche. Et donc, il y a des ronds de toutes sortes et un carré au milieu. Je vais pas du tout faire ça. J'ai le droit, je fais ce que je veux. C'est pour utiliser ce que vous m'offrez. Donc, moi, je vais faire mon interprétation. Évidemment, vous ferez bien ce que vous voulez. Allez, c'est parti, on y va. Hein. Alors, donc, je zoome, je vais utiliser ce que vous m'offrez, j'ai raconté. J'ai dit, je répète, qu'est-ce que je radote, hein. Oh, je radote. Allez, j'avais dit que j'utiliserais les chutes, là, j'ai aucune envie d'utiliser les chutes. Aucune envie, strictement aucune envie. Pour ce faire, je vais prendre une base toute prête, par contre. Elle est où, ma base, elle est où? Elle est là, voilà. Je m'en reste une, là, comme ça, là, un petit peu blanc cassé. Elle est blanc cassé. Pourquoi j'ai pris ça? C'est parce que je vais prendre. Il me reste une seule. Ah non, il me reste deux. Non, je croyais qu'il m'en restait qu'une. Je vais prendre une feuille du machin, du carnet aquarelle, là. Pour, comment dirais-je? Pour patouiller. Je vais patouiller, je fais ce que je veux. Alors, ça fait combien? Ouais, mon pauvre, mais. Ça fait combien, ça? Ça va faire. 10 et demi sur 14 et demi. Alors 10 sur 14. Allez, 10 sur 14. Hop, 10 sur 14. Allez. Hop, ça, je fais ça. Hein. Ensuite, donc ça va aller comme ça. Je regarde, j'ai mal, j'ai un point. Oh non, j'ai un point au cœur. S'il est là, le cœur, ouais, j'ai un point. Oh là là, un point, ça fait très très mal. Donc je vais faire ça, moi, regardez. Hein, c'est. C'est très beau, hein, c'est tellement magnifique. Maintenant, je vais patouiller, hein, j'ai envie de patouiller. Alors, pour ce faire,
Je vais prendre des encres pour patouiller. Oh, je sais pas, j'ai rien. Je prends un peu ce que j'ai, c'est n'importe quoi. Faites voir. Parce que je voudrais utiliser les fleurs qu'il y a là. Oui, je sais, ce n'est pas des. Si, c'est des ronds. Vous voyez, on disait que les fleurs, ça représenterait les ronds. J'ai le droit, je fais ce que je veux, hein, j'ai dit. Bon, moi, je vais faire ça. On fait qu'est-ce qu'on veut. Ou alors, je prends celle-là. Non, non. Ah, je vous dis aussi celle-là. Je ne sais pas lesquelles choisir. C'est l'horreur. Ça y est, ça commence. Non, en fait, parce que je voulais utiliser ce sentiment-là. Il n'est pas... Je sais, il n'est pas carré. Il n'est pas carré, il est rond. Mais je fais ce que je veux. Je vais mettre là, comme si c'était un carré. On disait que c'était un rond carré, puis c'est tout. Hein. Oh là 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 là. Donc, je ne sais pas. C'est joli, ça aussi, toutes ces fleurs-là. Hein, ça va bien avec. Regardez, ça va vachement bien avec. Regardez, on dirait que c'est fait pour. Hein. Alors, ça, c'était là. Hein. C'était des choses qu'on m'avait envoyées là. Alors, j'ai pris ça. Et là, je vais prendre des fleurs que vous m'avez fait là. Alors, je sais pas, c'est beau, ça aussi. Elles sont trop belles, celles-là aussi. Je sais pas. Il y en a tellement, je sais même pas quoi prendre. Vous voyez, on disait que c'était des ronds. Regardez, c'est pareil, c'est pareil, c'est pareil, c'est pareil. Je vais peut-être prendre celle-là. Celle-là, je ne sais pas. Ah, c'est pour aller avec, faire un truc un peu... Je sais pas encore, je ne sais pas. Alors, je vais déjà faire ma patouille. Allez, faisons la patouille, parce que j'en sais rien. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je vais donc prendre du rouge, des machins, des trucs. C'est quoi ça comme couleur? Je vais prendre des couleurs un peu rouge-orangé, par contre. Ça, c'est sûr. Faites voir, c'est quoi ça? Eh ben, c'est bien ça, regardez. Hein? Ouais, c'est bien ça, c'est très joli. En plus, il y a de la paillette et tout là-dedans. Alors, je vous préviens, je fais n'importe quoi. Enfin, non, je fais pas n'importe quoi, j'en ai plein les doigts. Partout, je saigne. Ah, oh, j'ai mal. Ah, oh, j'ai mal. Ah, oh, je saigne. Je saigne. Ah, oh, je sens en sang. Allez, je vaporise de l'eau là-dessus. Oui, c'est ma façon de patouiller. Je fais ce que je veux. Alors, regardez. Hop, hop, toc. Regardez, ça va être trop beau. Hein. Il y a du sang. Regardez, c'est ça. Maintenant, il y en a partout. Hein. Bravo. Hop, hop, hop. Voilà. J'adore ces petits feutres-là. Ils sont très beaux. Oui, ils sont très beaux. Je récupère tout. Hein. Je suis radine. Non, mais c'est parce que même pour faire des petits, pour mettre un petit sentiment dessus et tout ça, c'est comme je sais pas trop ce que... Ça, on dirait que j'ai pissé le sang. Je vais mettre un petit peu de rouge foncé comme ça, aussi. Alors, attendez, si ça veut. Hein. Ah, c'est un peu rouge. C'est très joli, c'est très magnifique. Hein. Allez, un petit peu de rouge comme ça. Hein. Pas trop, mais un peu. Ah, j'ai mal. Alors, donc, un peu de rouge comme ça. Ah, c'est trop magnifique. Hein. Allez, hop. Un peu comme ça, regardez. Voilà, c'est trop beau. Hop, hop, voilà. Voilà, hop, regardez. C'est juste comme ça pour faire un petit fond. Hein, voilà, hop, regardez. C'est beau, hein. Et puis là, je récupère. Allez, je fais un ATC ou je sais pas quoi. Voilà, on est content, content. Allez, moi, j'ai fait une patouille. Très heureuse, très heureuse, très heureuse. Allez. Ensuite, je vais peut-être le sécher. Pourquoi? Parce que ça va être la loose. Je sens que ça va être la loose pour... regardez comme c'est beau. C'est beau, hein. On peut faire des patouilles avec n'importe quel feutre, à n'importe quoi. Hein. Vous prenez ce que vous avez. Hein. Vous amusez pas si vous n'avez pas des encres. Vous savez, oxyde machin, du stress machin. Moi, j'en ai. Hein. Mais voilà, quoi, ça va très bien. C'est très beau. Hein. C'est très, très beau. Allez, je sèche. On se retrouve tout de suite. Attendez, j'arrive pas à poser. Hop là, ça y est. Bon, ça gondole, mais c'est normal, c'est du papier, voilà. Donc, hop, regardez, c'est beau, hein, c'est très joli. Très joli, on fait des tâches, on est content, content. Ensuite, pendant que je séchais, j'ai réfléchi, je vais pas mettre le rond, non, je vais respecter, je vais mettre un carré. J'ai le droit, hein. Alors, et je vais prendre ces fleurs-là, je sais pas lesquelles prendre, elles sont toutes magnifiques. Hein. Elles sont toutes trop belles, hein, toutes trop belles. Hein. Rien du tout. Parce que regardez, ça va bien avec la couleur que j'ai choisie. Non, je vais faire un bouquet de ces fleurs-là. J'en sais rien. Je ne sais pas. Et donc, je vais prendre... J'ai dit, je vais faire un carré. Je vais respecter le carré. Alors, bougez pas. Je sais, c'est pas ma faute. Je réfléchis très, 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 très durement. Très durement. Un carré, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a comme carré? J'ai tellement de choses, c'est même pas quoi prendre. Non, c'est ça, c'est l'horreur. Bon, alors, j'en sais rien. On verra. On va voir. On va improviser. Alors... Je vais improviser. Déjà, viens ici, toi. Alors, des ronds. Alors, un carré, des ronds. Moi, je vais donc représenter tous les ronds, là, qu'elle a. Alors, mais avec des fleurs. Tu as fait le droit de faire ça. Hein. Il y a des rouges, des oranges. C'est trop magnifique. Hein. Alors, peut-être des oranges pour que ça ressorte un peu. Parce que, vous voyez, la patouille s'est ressortie un peu en rouge. Hein. Rouge, bah, c'est ce que je voulais en même temps. Hein. C'est ce que je voulais. Alors, est-ce que je prends... Je réfléchis hein, sur lesquelles je prends. Hein. J'ai tellement de choix que je ne sais même pas lesquelles prendre. Mais allô, quoi. Vous voyez les fleurs qu'elle m'a fait en rond, là, ça va très bien, vous voyez, c'est parfait, ça, c'est parfait, parfait, hein.
Il m'en faut deux grosses énormes. On va le voir si je fais un bouquet. C'est le printemps, c'est le printemps, hein. J'ai le droit de faire des fleurs. J'ai le droit de mettre des fleurs rondes. Et ça, c'est quoi? Je regarde un petit peu qu'est-ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des ronds là, il y a des ronds là. Et ça, qu'est-ce qu'il y a dans le rouge là? Oh, j'ai chaud, j'étouffe, j'étouffe. Il y a une grosse, énorme marguerite là. Je regarde le diamètre, regardez. Ça va pas mal, hein. Alors, si je mets une grosse marguerite ici, par exemple. Par exemple. Ensuite, donc celle-là, je ne vais pas la mettre. Je réfléchis. Ensuite, il en faut des petites là. Alors, on peut mettre, voyons voir, qu'est-ce qu'on a? Tiens, ça, c'est joli. Tiens, ça fait un peu rond. Vous voyez, ça fait un peu rond, hein. Alors, si je mets celle-là, par exemple, en dessous, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, je vais mettre un peu des fleurs différentes. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous en pensez que c'est bien? C'est une super idée. Ça, c'est quoi? Un coquelicot? C'est joli, ça. Ils sont très beaux, hein. Il y a celle-ci, celle-ci, il y a celle-ci. Ah, ça, c'est beau aussi, tiens. Oh là, c'est magnifique, celle-là. Je fais un bouquet de fleurs. Alors, ça, ça va en dessous. J'essaie de trouver une harmonie... Il y a ça, là, il y a ça, comme ça, là. Oh, c'est joli. Oh, c'est beau. Et là, si je mets une petite... J'ai chaud, j'ai tout. Ça, c'est pas mal aussi. Hein. Elles sont toutes très belles. Alors, c'est pas facile de choisir. Ça, ça va comme ça, là, en dessous. Là, ça va là. Je pourrais peut-être lui mettre un peu plus orange, là. Oh, c'est trop joli. Je vais en mettre un peu orange, là, du coup. Comme ça, là. Voilà. Voilà. Oh, c'est trop beau. Et ça, c'est quoi? Il en faut une là comme ça, une là comme ça, une là comme ça. Ok. Ensuite, il en faut une où? Là. Ici, là. Ben là, on peut en mettre une autre comme ça. Il y a quoi comme... Une jaune? Non, je... non. Non. Mettre, hop, une... Tiens, une un peu orangée comme ça, là. Une rouge. Je suis en train de tout... C'est... Faut... Je prends des formes un peu... Enfin, un peu rondes. Elles sont rondes, alors c'est bien. Celle-ci, là, c'est bien ça. Hein? Celle-ci, là. Voilà. Hein, je vais mettre comme ça, là. Voilà, superbe. Là, il m'en faut encore une énorme. Alors, une énorme, une grosse fleur. Voyons voir. Voilà. Celle-ci, elle est assez grosse. Hein. Si, elle est assez grosse. Alors, on disait qu'elle était assez grosse. Je vais la mettre là. Voilà. Là, il en faut encore une petite marguerite comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein, regardez-moi ça, si c'est pas joli. Ah, c'est trop beau. Voilà. Admettons, le bouquet, il est comme ça. Enfin, admettons, il est comme ça. Si. J'aurais bien voulu avoir une marguerite orange. Je crois qu'elle m'en a fait une orange. Ah bah tiens, elle est là, une jaune, une belle jaune. Oh là là, ça va péter, ça. Regardez, il y en a une jaune, là. Ah non, c'est un peu trop. Non, 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 je vais rester dans les mêmes couleurs. Voilà, hop, hop. On fait ce qu'on veut, de toute façon. Et là, donc, ici, je vais mettre un carré. Ça, je vais mettre un carré. Que je voulais mettre ça, moi, mais vous voyez, je voulais mettre ça comme ça au milieu, le printemps, mais le printemps est arrivé. Non, je vais pas mettre le printemps, je vais mettre autre chose. Je vais mettre un carré de patouille là que je viens de faire pour remettre par-dessus. Il y a un trou là, allez, hop, donc ça c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Hop, hop, je les mets de côté parce que je vais décorer mon petit carré. Regardez, j'avais fait, vous savez, j'ai récupéré, hein. Donc je vais faire un carré là-dedans. C'est la taille, c'est bien, c'est la taille, c'est parfait. Alors. Donc, un petit carré patouillé comme ça pour mettre par-dessus. Hop. Je vais mettre un petit peu des... Je gratte un petit peu. Les femmes, c'est comme les poules. Hein? Pour manger, il faut que ça gratte. C'est comme les poules. Pour manger, il faut que ça gratte. Allez, je vais mettre juste un petit peu de... Je vais mettre quelques gouttes or sur ma patouille, là. Voilà, hop, toc. Bon, je vais sécher, vous voyez, ça fait des gouttes comme ça, c'est très beau, hein, mais ça fera encore plus beau quand ça sera sec, bien sûr. Hein. Parce que quand ça sèche, ça fait très joli, ce petit, je conseille ça. Mais en spray, j'aime pas trop, mais en gouttes comme ça, j'aime bien. Donc, je vais sécher ça, on se retrouve dès que c'est sec. Hein, hop là, bon, j'ai, voilà, je sais pas si à la caméra, je sais pas si on voit bien les petites gouttes or, mais moi je les vois, c'est le principal, c'est ça. Alors, le petit carré fait combien? J'ai pas mesuré là, j'ai une règle ou pas là? C'est le bin ça sur mon bureau. Alors, c'est un petit carré qui fait combien? Je vais respecter un petit peu, ça fait 5, un petit carré de 5. Un petit carré de 5. Alors, voyons voir.
Je vais retirer 1 cm. Voilà, comme ça. Là, c'était quoi? 5, ça fait ça. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Allez, je vais faire ça. 5. C'est parfait. Et là, je vais faire 5 dans ce côté-là. Hein? Ce sera très joli, hein? Très, très joli. Regardez-moi ça, si c'est pas adorable, c'est trop beau. Voilà. Très bien. Et donc, quand j'ai soufflé les... j'ai soufflé pas les bougies, j'ai soufflé les machins, tout s'est envolé, bien sûr. Mais je vais remettre ça comme ça. C'était comme ça, on disait. Hein. À peu près, à peu près, à peu près. Hop, hop. Voilà. Toc, toc, toc. Hein, on est bien là. C'est ça, hein. Ça. Voilà, on est bien. C'est disposé. Donc là, au milieu, je vais remettre le carré comme ça. Je vais ressortir ça pour qu'on voit les fleurs, moi. Voilà. C'est pas mal, hein. C'est assez joli. Très bien, très sympa, très sympa. Voilà. Je vais juste rétrécir le carré. Je vais le mettre, je vais le faire à 4. Je fais ce que je veux, de toute façon. Je vais le faire à 4. Voilà, ce que je veux. Voilà. Parce que je trouve que par rapport, je veux qu'on voit mes fleurs. Voilà. Ah, ça va beaucoup mieux. Moi, je préfère. Et puis, je vais faire le contour comme les fleurs au stylo, là. Alors, je ne sais pas si je vais réussir aussi bien. Moi, ça m'étonnerait, mais bon. Ça m'étonnerait. Alors, hop, on va faire ça. C'est pour que ce soit dans le même style que les fleurs. Hein. Là. Là. Toc. On voit un petit peu les paillettes. Ah, mais si, c'est bien, c'est beau. Si, c'est beau. Bon, comme ça, vous ne pouvez pas imaginer, vous ne pouvez pas voir, mais c'est vraiment joli, vraiment. Donc, je vais laisser des contours blancs parce qu'il y a des contours blancs sur les fleurs. Ça va vachement bien avec le style. Ensuite, je vais aussi faire le contour de ma carte, là. Parce qu'il y a des traits là où je pense. Bon, enfin, moi, je considère que c'est un contour. Moi, je fais un contour, c'est sûr. C'est sûr, parce que si je ne le fais pas, ça ira pas avec la carte. Voilà, hop. Oh, ça va être super sympa. C'est un style un peu... J'aime bien, moi, style comme ça. Hein. Je vais refaire une autre. Hop. Super joli. Hop. Super, super sympa. Voilà. Voilà. Impec. Génial. J'adore. Et maintenant, que vais-je faire? Je vais tamponner. On m'a offert ça récemment, là, ces petits tampons. Et je vais tamponner juste for you, là. For you, for you, for you, for you. Alors, juste for you. Hein. Alors, vous avez compris? Si, vous avez compris. Que je vais mettre de l'encre. Hop là, je prends le truc là. Mais comme c'est tout petit le carré, hein, vous avez compris que je vais juste faire ça. Mettre de l'encre juste sur For You. Puisque vous savez qu'on peut faire ce qu'on veut. Hein, c'est pas interdit par la loi. Donc, pour ce faire, c'est un tout petit peu compliqué pour faire. Enfin, un tout petit peu compliqué, n'importe quoi. C'est pas compliqué. C'est juste que vous mettez l'encre juste là où vous voulez. Donc, vous effacez là où vous en voulez pas. Hein, c'est ça. Donc, je vais essayer d'y arriver. Enfin, essayer d'y arriver. Je vais y arriver. Hein. C'est parce que c'est pas pratique que de faire ça, mais on peut le faire. Voilà, je vais vous montrer qu'on peut le faire. Hein. Ça, voilà. Juste for you, juste pour toi. Hein. Voilà, on veut juste ça, nous. On a le droit, hein, de vouloir juste for you. Je vais donc tamponner ça là-dessus. Et je vais me mettre un peu en travers, non, tout droit. Non, enfin, je suis beau. Je vais mettre comme ça, moi. Parce que je vais mettre un petit strass autour, oui. On a le droit, on fait ce qu'on veut. Regarde. Juste comme ça, for you. C'était tout mignon. C'est tout mignon. C'est juste avec une petite fleur dessus. Voilà, hop, elle est où mon truc? Il est là, il est là. Voilà, juste for you, pouf pouf. Donc là, autour, je vais mettre des petits cœurs, peut-être sûrement un petit cœur ou deux, là, de ça, là. Hein? Parce qu'il y en a exactement la couleur que je veux, là, il y a des petits oranges, là. Alors, viens ici, toi, viens ici, viens ici, viens ici. Je vais en mettre un, il y a quoi? Un vert, parce qu'il y a le cœur vert des fleurs, là, et un petit... Et un petit vert, un petit orange. Et puis, j'en mets un troisième. Non, je vais en mettre que deux. C'est bien deux. Hein? Alors, donc, un là. Voilà, je vais en mettre un là. Ça commence.
Hein, les petits cœurs, les marguerites. Il manquera un petit papillon, je vais aller en chercher un. À moins que j'en ai un. C'est bouché encore? C'est encore bouché ça? Ah bon? Oh. Ouais, à chaque fois, pourtant, je fais tout qu'est-ce qu'il faut. Hein, oh là là. Je fais tout qu'est-ce qu'il faut hein, pour que ça se bouge pas. Hein. C'est pas normal. Hein. Alors, donc, reprenons. Oh mince! Oh là là, la loose! La loose, la loose, la loose! J'ai compris. Vite, vite, vite. C'est ça, vite, vite. Alors, il faut se faire. Bon, je vais mettre à côté, voilà, bravo. Parce que ça, il faut le retirer vite, parce qu'après, ça fait des. Ah, ça m'énerve un petit peu hein, aujourd'hui. Si, ça m'énerve un petit peu, j'ai le droit que ça m'énerve. Donc, hop, je vais mettre donc des petites gouttes là. Hein, une petite goutte là, une petite goutte là. C'est pas grave, hein, je vais m'en sortir. Hein. Et si je m'en sors, un petit cœur rond, machin là. Un petit cœur vert là. Voilà. Tout mignon, mignon. Voilà. Et puis, on mettrait bien. Alors, c'est tout petit, hein, tout ça pour ça, vous allez me dire. C'est ça. Mais c'est important, hein, important. Des petites choses comme ça, regardez. Hop, voilà. Et il me reste encore un petit peu de glossy. Je comprends pas parce que pourtant, je le vide bien, machin, tout ça. Je comprends pas que ça se bouche à chaque fois. Et un petit papillon, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas des petits papillons, ça? C'était pas des papillons, ça? Si, c'était hein, des petits papillons, ça. C'est Rikiki, hein. Il y en a un vert et un vert et un orange aussi. On s'amuse, hein. On s'amuse, on rigole, hein. Ouh là là. Alors, viens ici, toi. Je vais essayer de. Ça, c'est des sequins, vous avez compris, quoi. C'est vraiment minus, hein. Je vais en mettre un peu de ci, de là sur ma carte. Viens là, toi. Et puis là, je remettrai un là. Voilà, c'est rigolo. Voilà. Il se machine pas bien celui-là. Voilà, je vais remettre un orange par-dessus là. Faire un effet un peu 3D comme ça. Super. Voilà. Hein, c'est difficile à travailler les minuscules, les choses minuscules, c'est pas facile à travailler. Voilà. Voilà. Regardez, c'est mignon, hein? Oui, c'est tout mignon. C'est vraiment du travail de. Ouh là là, ouh là là, ouh là là, hein? Vous avez compris quoi? C'est pas facile. Non, ce n'est pas facile. Donc voilà. Donc, je vais coller toutes mes fleurs là pour faire les formes là. Alors, attendez, oula. Je vais les coller mais sans les coller. C'est ça. C'est-à-dire que je mets un peu de colle qu'au milieu moi. Enfin, vous savez, je colle pas complet, complet toute la fleur. J'aime bien qu'il y ait un effet comme ça. Hop, d'ailleurs, je vais lui donner un mouvement comme ça. Colle le scotch, colle le scotch, colle le scotch. Hein, ce sera mieux. Hop. Alors, pour ce faire. Hop là, juste le cœur, comme ça si je peux bouger un petit peu, ça m'étonnerait parce qu'une fois qu'on a collé, ça par contre ça colle vraiment extrêmement bien. Donc là je la mets là. Hop. Ensuite on a dit, je me rappelle plus, non je sais plus, je sais plus, j'ai pas fait de photo. D'habitude je fais une petite photo de mon montage, mais j'ai pas fait. Là je mets ça là, ici là. Voilà, hop, très très joli. Ensuite on va croiser un peu de rouge, un peu de rouge, un peu de rouge, comme ça là, hop. En dessous là, comme ça, je vais la tourner comme ça là, voilà, hop, très bien, magnifique. Ensuite, la orange là ici, donc hop,
voyez, ça fait comme des ronds, hein. On disait que c'était pareil, hein. Voilà, hop. Ah non, c'était par-dessus, c'était pas par en dessous. Voilà, là. Comme ça là. Par-dessous, par-dessus. C'est ça. Voilà, c'est ça. J'avais mal placé. Parce que c'est par en dessous, mais par-dessus. Hein. Voilà. C'est par en dessous là, mais par-dessus celle-là. Bon, de toute façon, vous voyez bien le dessin. Hein. Voilà, vous dites que vous voyez, ça me fera plaisir. Là, une grosse là ici. Ici, là. Hop. Ici, une grosse là. Hop. Très, très bien. Ici, j'ai dit que je mettais une petite marguerite. Hein. C'est bien marguerite. C'est joli marguerite. Il m'en faut une marguerite. Hein. Parce qu'il y a les cœurs, il y a les papillons. Il me faut la marguerite. Hein, vous savez bien. Hein. Sinon, bah non, sinon, ça ne va pas du tout. Hein. Là, hop. Hein. Très, très beau. Magnifique. Et ici, une petite rouge comme ceci. Hein. Voilà, et je veux qu'on la voit un peu, parce que, un peu beaucoup, parce qu'il y a un cœur au milieu. Elle a fait comme un cœur. Donc là, c'est en dessous, et là, c'est là. Voilà, regardez. Donc j'ai placé les fleurs comme les ronds. Voilà. C'est beau, hein? C'est super beau. Et maintenant, mon petit carré avec mon sentiment au milieu, là, comme ceci. Comme ça là. Voilà, c'est là. Impeccable. Là, je la remonte un tout petit peu. Voilà, pour que ce soit dessus, dessous. Voilà, là c'est comme ça, là c'est comme ça, c'est très beau. Hein. Là, il faut que je descende un peu comme ça pour que ça se touche là. Là, j'essaie de respecter le dessus, dessous, machin, tout ça, vous savez. Ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, c'est beau, c'est très beau. Voilà. Donc là, je colle, mais je colle complet. Et je colle. Je pourrais mettre un 3D. Pourquoi pas, mais là je vais coller carrément. Ouais. Alors là, ça va là. Là, ça va là. Là, ça va là. Voilà. C'est super sympa. Très, très joli. Voilà, regardez, c'est beau, hein? C'est joli, tout plein. C'est printemps, quoi, hein? Pour toi. Voilà, hop. Donc je vais laisser sécher ça comme ça. Super sympa. Très très joli. Très très joli. Magnifique, magnifique, magnifique. Voilà, ensuite, for you, for you. Je voudrais bien repasser le for you je devais normalement avoir les crayons pailletés, là, ils sont là. Je vais le réécrire en pailleté, hein, c'est ce que je veux. Je vais repasser le tampon par-dessus, parce que je le fais au tamponnage, c'est parce que moi, je ne sais pas bien écrire, c'est moche quand j'écris. Je remets des paillettes, hop, regardez, ouais, c'est trop joli. Je vais peut-être même faire des petits points comme ça. Oh, c'est trop mignon. Voilà. Très, très sympa. Eh bien, voilà, ça c'est fait. Très sympa, très sympa, très sympa. C'est des couleurs, hein, ça en jette, hein. Ma base, elle est où? Elle est là. Elle est là, elle est là. Hop. Donc, je vais, hop là, mettre du double face. Par contre, pourquoi du double face, hein? Parce que quand on travaille l'aquarelle, vous voyez, ça gondole, ça machin, ça, tout ça. Ça, c'est un peu la loose. D'ailleurs, je devrais toujours poser le double face. Oh non, 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 parce qu'après, quand on... Non, 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 parce que quand on sèche et tout ça, non, 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 non. Non, j'allais dire une bêtise. Mais par contre, je pourrais mettre le double face avant de faire le montage. Mais c'est parce que, en fait, je ne sais pas trop ce que je vais faire à chaque fois, vous voyez. Alors, je peux très bien refaire des tâches, remettre des aquarelles, repatouiller... donc voilà quoi, c'est pour ça que je mets toujours le double face en dernier, mais c'est pas toujours facile suivant ce qu'on fait. Vous voyez, de l'autre côté, vous avez compris? Vous comprenez? Vous dites que vous comprenez, ça me fera plaisir. Voilà, hop, 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 hop. Hein, voilà. Toc.
C'est trop sympa, trop sympa, trop sympa. C'est super sympa. Allez, je colle ça. Coller ça là-dessus. Alors là, c'est une carte patouille. Mais dis donc, c'est un peu chaud là, ce que j'ai fait, non? Ouais, ouf, ouais. J'aurais pu faire un peu plus. Ouais, c'est pas grave. C'est super sympa. Ça me plaît beaucoup. C'est un style, hein, c'est un style. On n'aime pas, bien sûr, hein. Là, j'avoue que bon, hein, c'est spécial. Mais moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette petite carte printanière. Hein. Beaucoup. Voilà, les petits papillons, là, je voulais qu'ils soient un petit peu en 3D. C'est possible que j'en remette encore par-dessus pour que, vous voyez, les ailes, je puisse les... C'est rigolo. C'est rigolo. Bon, ben voilà, hein, je pense que c'est... Il n'y a rien d'autre à mettre. En tout cas, sur le sketch, il n'y a rien d'autre à mettre. Le carré, les ronds. Alors voilà, le carré, moi, c'est ça. Hein, avec juste un tout petit point de for you pour que ça reste un peu dans le style comme ça. Vous savez, stylo, enfin voilà, quoi, je voulais essayer de rester dans le style. Moi, je sais pas si c'est bien réussi, mais bon, voilà. Je voulais un fond patouille pour que ça aille avec les fleurs, machin, tout ça. Bon, vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, et puis les remplacer les cercles par les grosses fleurs qu'elle m'avait fait, je trouve ça trop joli. Voilà, moi j'aime bien. Après, ouais, bon. Bon, c'est un style, voilà. Je suis contente de ce que j'ai fait. Ça, en plus, j'ai utilisé ces jolies fleurs là que j'adore, que j'adore, que j'adore. Elles sont trop, trop jolies. C'était vraiment fait pour ça, je trouve. Voilà. Peut-être je peux mettre. Non, non, point trop n'en faut, point trop n'en faut. Ces petits papillons là, je vais en remettre un par-dessus en 3D pour qu'ils soient un petit peu volumineux. Hein, vous voyez? Hein, c'est bien. Parce que je colle pas comme ça, vous avez vu. Moi, j'aime bien faire un petit peu comme ça du mouvement, là. Un petit peu. Hop, on les relève un peu, là. Voilà. C'est pas mal, hein. Je vais la retravailler un tout petit peu, vous savez. Hein. En caméra, en général, j'aime bien retravailler un peu les trucs, là. Vous voyez, leur donner un petit mouvement comme ça, aux fleurs, vous voyez. Hop, les décoller un peu comme ça. Ça change tout. Ça change tout, ça change tout. J'aime bien. Peut-être mettre un peu de glossy au cœur, ou je sais pas, ou peut-être faire le cœur, les cœurs des fleurs avec un petit peu de stylo pailleté. Je suis pas sûre, hein, j'en sais rien. Je vais voir. Voilà. En tout cas, c'est comme ça avec vous. Hein, voilà. Je vous embrasse bien fort, bien fort. Prenez soin de vous. Passez une très belle journée. Hein, et puis, on se retrouve demain maintenant, hein, vendredi. Je vous embrasse. Et puis, à demain.